Céline Dion, habituellement, les femmes, le jour de leur mariage, elles sont très exigeantes pour leur coiffure. Céline Dion savait que ça allait être vu à l'échelle mondiale. Comment elle était? Normalement, où il y avait un petit peu de pression, c'était plus toi qui t'étais mis de la pression par toi-même que elle qui venait de Céline? Non, moi j'avais un peu de pression parce que c'était assez compliqué pour mettre le diadème, mais on avait discuté beaucoup d'avance, on avait pratiqué beaucoup d'avance, et puis jusqu'au jour du mariage, Céline était en pleine confiance. De quoi tu parles quand elle est assise sur la chaise? Vous parliez du mariage, vous avez parlé de toutes sortes de choses, c'était quoi? Ben, tu préférais pas trop avoir la discussion et te concentrer? Non, c'était drôle parce que le matin, dans sa chambre de bain, elle était en train de se maquiller, puis je restais avec elle tout le long. Le jour de son mariage, elle s'est maquillée elle-même? Oui, elle s'est maquillée elle-même. Ah, c'était très beau à voir, puis même elle a arrêté son maquillage à un moment donné, sa mère est arrivée, elle a maquillé sa mère. Mais pour venir à tantôt, on a discuté de plein d'affaires vraiment personnelles, des amours, des gens abusés. Ah oui, de tout. Elle t'a remis dans ses mains quelque chose qui était précieux cette journée-là. Tu as eu dans tes mains pendant quelques minutes sa bague de mariage. Oui, j'ai eu sa bague de mariage la veille. Elle avait un petit souper avec sa famille et puis on est allé la rejoindre. Il y avait beaucoup de monde qui était venu la visiter. Et puis, je pense qu'elle était fatiguée de montrer sa bague. Elle arrive, j'étais assis sur un divan. Elle me dit, tiens-moi donc ça, je vais revenir la reprendre tantôt. Céline, elle nous a invité tous les gens qui ont travaillé pour le mariage. Une petite soirée quand elle est revenue de son voyage de noces. Et puis, on a eu le droit à des photos avec elle. René, elle nous a remis des disques. Elle m'en a dédicacé un. Des petits cadeaux comme ça. C'était très agréable.